Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cast très spécial parce que c'est le premier cast des playoffs du tournoi Blue Genji Esports qui commence en quart de finale tout simplement. Voilà, et je suis en compagnie d'un tout nouveau caster, bah on va voir ce qu'il vaut. Je sais, j'ai l'impression d'être un mec qui juge un maximum. Bienvenue Rinka. Rinka? Eh ben, merci Bounty, et puis bienvenue aussi aux viewers sur ce tournoi Blue Genji, sur cette phase des playoffs qui opposera du coup SoCute contre SoRiverse. Voilà, est-ce que t'as envie de présenter un peu les équipes ou t'as rien à dire sur les équipes, tu t'as déjà un petit des petites idées? À part juste faire la présentation des joueurs de chaque équipe, je vois pas de grand chose qu'il y a à faire, mais bon. Écoute, je te laisse commencer par SoCute, je pense. Alors, on peut commencer par StuCute, donc on a les deux tanks qui sont Nerf Knight et Amaretto. Qui donc Nerf Knight est le main tank. On notera un très très bon Reinhardt déjà. Amaretto qui est le off tank du coup ça va de soi. Qui tournera normalement avec un sub. On a Rosh en DPS qui nous a fait des très très beaux plays lors de son match de Great Wall, des clips que j'ai redécouverts aujourd'hui et hier en parcourant les clips. On a Belgo Diablo qui avait un Genji insane lors de son dernier match. Attendez. Donc ensuite on a Thunder donc qui est Spartak dans le milieu. Alors je tiens à préciser hein, SoCute qui est donc l'équipe la deuxième line-up de la structure, donc j'espère qu'ils nous feront honneur. notre ami Spartak qui est le plus vieux de l'équipe, qui est j'ai oublié de couper le son du live, excusez-moi, c'est catastrophique ce que je fais là actuellement. Tac tac tac, ça on coupe, voilà. Voilà, et Arias donc qui est aussi l'huile des SoCute, j'ai rien à ajouter là-dessus. Du côté de Soriver, si je me trompe pas, hein, je me trompe peut-être, juste Delta Blaze qui était le main tank, il me semble. Warglabitou qui était, je crois, sur du Doomfist, surtout les derniers matchs. As-tu quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut passer Alors, directement au match? juste à te corriger, d'après nos notes, après je sais pas s'ils ont changé ou autre chose comme ça, Non. Delta Blaze est le off-tank et Meg le Reinhardt. Bah, de D'accord, moi, c'est ce d'accord. qu'il dit. Il dit soi-disant un OTP Reinhardt. On verra ce qu'il vaut, puis s'il va jouer autre chose que du Reinhardt. En tout cas, on l'espère pour avoir un petit peu plus de variété. Ok, et ben on va pouvoir lancer à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Eh ben non, on va pouvoir lancer. C'est parti. D'accord, et ben on voit tout de suite d'abord au niveau des équipes s'il n'y a pas de soucis, ce genre de choses, et on est prêt, on va pouvoir lancer cette première map de Busan et voir comment débute ce tournoi. Donc on est sur un nouveau map pool, on a un nouveau design des couleurs maintenant d'équipe, donc SoCute en jaune, nos amis Survivors en rose. Très intéressant de caster comme ça, je sais pas, c'est dans ma tête, c'est un monde fou. Voilà. Je sais pas de Voilà, ton côté. c'est différent que les autres castes. J'ai un peu mal au poignet avec ma souris, ça va. Un sub MDR. Ah oui, d'accord. Oui, pardon. Tiens, m'excuser. J'ai dit sub, mais c'est pas. Faut que je me mette en invisible, sinon on va m'inviter, parce qu'on commence déjà à m'inviter. C'est. C'est le talent de l'équipe personne. Voilà. Donc on a les compositions qui se dévoilent des deux côtés. Des compositions soit on part sur une idée de composition basique du côté de SoCute, mais on décide de prendre un Genji du côté de Belgo Diablo. On a chez les Survivors, je me perds un peu dans les noms, excusez-moi. On a chez les Survivors une composition plus sur D.Va à la place de Lazaria et un Doomfist côté Warglabidou, donc je me trompais pas sur Warglabidou, effectivement. Voilà.
Donc alors du coup le team fight qui tout simplement la game qui est lancée avec les deux équipes qui prennent les hauteurs. Pour l'instant ça semble du combat à distance et le slip sur Jolan qui a été fait par Arias. Les survivors sont les premiers à dropper sur le point. On a un Warglavidou très qui prend beaucoup de risques, hein, qui se fait récupérer directement par Belgo Diablo à cause de ses tendances un peu trop gourmandes sur le point. On a le Reinhardt qui est très bien tenu en vie par le healer. Des gros coups de marteau qui partent des deux côtés, hein, une grosse pression, on finit par faire tomber le main tank et derrière toute la team des survivors qui tombe. Et c'est un point qui sera incontestablement cap par nos amis les So Cute. Alors il faut noter du coup que Roche, après ce premier teamfight, a eu un bel implacable qu'il a chargé en l'espace de 1 minute 30 juste avant de récupérer le point et que la team survivors s'effondre justement sous cette team de So Cute. Voilà, on exerce un peu de pression dans le corner, on se cherche un peu, j'ai envie de dire. On attend qu'il y ait un engage, on décide d'aller directement changer de point de lieu d'attaque du côté des survivors qui prennent lentement la hauteur avec l'escalier, ce qui est très bon, ils ont clairement l'avantage sur la hauteur et décident de directement drop et ils sont un peu split. Oula, on a déjà la grave qui peut partir d'un moment à l'autre du côté de Mareto, même si elle sera pas forcément utile là tout de suite car on arrive à récupérer vraiment tous les survivors avec bah, justement cette blade. Et bien évidemment après ce beau team fight, la cloche du team kill qui sonne. Oui, tout à fait. Merci pour ce cours blanc. D'accord, et ben je vais reprendre le casque du coup si tu n'as rien à dire. On a, oui, donc du coup on avait la grave qui vient de partir, le boss slip sur la May. On a un wall qui est passé au plein milieu pour essayer de dans une dernière détresse se sauver, mais finalement Survivors qui se fait violemment récupérer par ceux qui sont réveillés d'entrée de jeu. C'est de la violence. Un boss slip sur Belgo Diablo, oui. Qui pourrait renforcer la pression du côté des Survivors. Tu as le droit de commenter aussi. Donc on a un qui vient de tomber. On a un shatter qui vient d'être lancé mais finalement qui vient d'être counter. Les survivors qui ont droit à deux pics sur un DPS et un main tank. On a l'ult qui est lancé du côté des survivors, des tablets qui récupérera deux kills sur les deux healers de la team. Très gros avantage du côté des survivors qui récupèrent le point grâce à cette action. Et voilà, on a vu aussi une très belle bombe de Delta Blaze qui a fait le kill sur la Moira, ce qui a permis justement de ne plus avoir de heal et de empêcher la contestation du coup des So Cute. Et puis bien évidemment, c'est les Reverse qui vont répondre par une pression sur le corner et la grave bombe qui est lancée. Le reste mangé par la diva, on a beaucoup du teammate qui fuse des deux côtés, on a un nano boost ainsi que kill, un nano kill. Wow. Ah c'est Warglavidou qui est mort juste après cette action mais qui a quand même sauvé son équipe car So Cute avait fait un bel engage quand même je pense. Alors que du côté de So Cute on a utilisé un nano mais on n'a pas utilisé la blade. On n'a pas attendu la blade finalement. Oui. Je pense que c'était un choix d'économie du team parce que on le sait tous, une blade sans nano fait aussi très très mal si elle est bien gérée finalement. Ah oui, bah on l'a bien vu. Ok, donc on a le implacable qui est lancé, la blade aussi ainsi que la coalescence, le mur du son qui est totalement obligatoire dans ce genre de situation. On a du mal à prendre des pics, mais Warglabitou cependant qui est pris, Jolan et Karmax, et derrière ça déroule tous les survivors qui vont tomber un par un. On a la gravité peut-être un peu trop. La gravité en revanche, un peu elle de est pas, elle n'est pas de trop car je pense pas qu'ils vont réussir à venir contest. Hein, parce que si Warglabitou est revenu sur son Doomfist, ça pourrait être bien. Netnake qui fait le kill sur Karmax et Thunder qui finit les healers. Un mec qui est revenu sur un amende pour essayer de contester, qui se fait pique par Neph Knight et ouais, Sunray. Ça va être très très compliqué. Hein. Et je pense que cette
Cette première manche est remportée par les Socute. Effectivement, donc 1-0 sur cette map pour Socute pour le moment. On espère bien sûr voir les Socute, les Soriv... je m'embrouille. De voir les Sorivars revenir. Hein. On veut voir du rose. D'accord, on a un petit souci. Est-ce que je mets en pause? D'accord, super, fallait vérifier au début ça. Ça vient de se changer ou pas? D'accord, bah excusez-nous pour le problème technique au niveau des couleurs. On va régler ça à la prochaine partie. S'il faut relancer la partie, on le fera. Voilà. Alors, du coup, du côté de Survivors, on est parti sur une Pharah Mercy. Et du côté de Socute, on repart sur la même composition. On rate la flash, hein, la tracer très très agressive hein, qui a déjà mis super low some wave. On a un pic du côté de Waglamidou sur Thunder, Rush qui élimine Waglamidou derrière. C'est un point qui nous choisit. Le reste qui a été tombé du côté de Golan, mais c'est récupéré. Pour l'instant, c'est du 2 pour 2, j'ai envie de dire, c'est du 3 pour 2. Et ça déroule du côté de Socute qui, malgré leur désavantage numérique, vont réussir à, je pense, récupérer ce point. Tout à fait. Bah, teamfight remporté, j'ai rien à ajouter là-dessus. Pour le moment, on était plutôt à blanc, j'ai envie de dire. Même si. Oui, c'était. C'est après, c'est juste le premier teamfight, après tout le spectacle est. Et bien évidemment, on peut voir le petit avantage de on peut conteste quand on a le point d'office, mais c'est pas vraiment significatif la première cape. On a un autre cape qui est lancé. Non, ok, Belgo Diablo qui va laisser le point sur le Somwave. Hein. Ce Somwave qui se fait clairement bully par cette Tracer, c'est incroyable. On a la gravité qui cherche vraiment à la. Ah bah oui. C'est vraiment, il y a un jeu de DPS. C'est la Tracer va chercher le Macri, donc le Doomfist va chercher la Tracer. C'est assez marrant à regarder, ils se courent un peu après, comme des chiens, des souris, je sais pas quel animal on pourrait ajouter à ce cycle. Ouais. Ouais, tout à fait, entre les deux équipes, on voit que les compositions se contrent totalement, donc ça ne va pas se jouer à qui va contrer qui, mais plus ça va jouer plus à qui a le plus haut niveau, voire plus de skill. Alors l'implacable qui est lancé par Somewave. Mais on a la bombe derrière, regarde cette bombe. Et la bombe qui va faire 2 kills. Nertek qui récupère avec sa frappe de feu, hein, le petit Waglabidou, la matrice très chiante, mais ouais, vraiment on empêche. Hein. On empêche la Karmax de mourir. Très bon travail hein, du côté de la Diva des Sorivers. Mais teamfight totalement remporté par ce cute hein, sans débat. J'ai bien l'impression que du coup ça va être le dernier teamfight pour Sorivers pour capturer le point avant de perdre cette première carte. Allez, c'est parti, le teamfight qui lance la bombe de Delta Blaze. Qui va faire 2 kills encore. Il reprend le kill, mais bien évidemment c'est Socute qui vont avoir l'avantage, qui vont gagner ce teamfight et cette première carte. Là, on a plus qu'une personne, et ben non. Hein. Socute qui remporte la première carte, donc 1-0. Excusez-nous encore pour les problèmes. Mais il y avait des problèmes finalement. Bah moi sur le live, là sur le replay de ce que je vois, il n'y a pas de problème de couleur. Hein. Je vois pas ce qu'on... Ah! D'accord. On va essayer au pire, on relance la game la suivante, on explique aux joueurs, on va expérimenter. En soi, Waglabidou rose c'est bien. Mais attends, oui, Waglabidou normalement il devrait être aussi il est rose. Excusez-nous, on règle. Non, Knight il doit être jaune. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut essayer de
de régler ça ou est-ce qu'on continue comme ça ou sans les couleurs? On fait comment? D'accord. Bah, excusez-nous s'il y a des soucis de couleurs, hein, c'est les seuls à qui il faut s'en prendre, c'est Overwatch. Voilà, pardon. J'ai un peu les nerfs, je t'avoue. Qui est parti? Ah oui, il y a un switch, du côté des. Du côté des Socute, effectivement. On a. Comment ça s'appelle? Amarito qui est parti, qui va laisser sa place à Patateux. Voilà qui. Non, il y a la patate in-game, il me semble. Voilà, Il me semble normalement, on qu'il s'est devrait passé. pas tarder d'ailleurs à avoir un switch du côté des Survivors aussi. Je n'en doute pas, puisque. Alors, si je ne me trompe pas, ça va être un switch de DPS. Voilà, Ouais, on c'est switch parce que aussi, ouais, moi, voilà, un DPS il sur va laisser DPS. sa place à H11NZ. D'accord. Eh ben. Ça se prononce INS, oui. Response ins, d'accord. Autant pour moi. C'est notre responsable réseau d'ailleurs. Julien, il disait quelque chose. Ok, bah voilà. Eh ben, il est en train de rejoindre la game. On va aller sur la... Quelqu'un pourrait me dire la deuxième map des playoffs, s'il vous plaît. Je les ai pas par cœur pour le moment encore. Après Busan, il me semble que c'est Hollywood, si je me trompe pas. Exactement. Et vous avez vu, je connais tout. Même quand je demande, je sais en fait. C'est First to Three. First to Three. Enfin bref. Voilà, First to Three. Exactement. Excusez-nous, hein, pour ce cast, bah, c'est assez expérimental, c'est le premier des playoffs. Hein, donc, en soi, on a des petits soucis avec les couleurs. C'est comme ça. Faut bien qu'on expérimente le truc. Après Overwatch, nous ont donné une capacité de spectating un peu claqué à ce niveau-là. On peut avoir un timeout rapidement. Non, pas de pause. Après. Oui, si les blancs, hein, tu peux. N'hésite pas à combler les blancs, mon cher Rinka. Oh, Ça aurait été une bonne les blancs, solution. combler justement, c'est pas mon point fort, mais bon, je vais faire de mon mieux si on a trop. Étant donné que je dois un peu organiser les choses à droite à gauche, raconte ta vie, j'ai envie de dire. Les gens ont envie de te connaître. On sait que tu es un homme qui a l'air vraiment passionnant, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Voilà. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais bon, voilà, c'est un petit peu une première en tant que caster. J'ai casté un tout petit tournoi, mais vraiment un tout petit, c'est d'abord ce que j'ai fait. Puis voilà, j'en suis là, à tes Surtout côtés. coach dans la structure aussi. Oui, En phase je suis de coach test. en phase de test pour les chronos, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Non, Pour les, oui, je pour les demande à vérifier. chronos. Pour les chronos, oui. Ok, bah on arrive sur cette magnifique map d'Hollywood avec les acteurs de cette game. Même pour moi, ils sont à l'envers les scores. J'ai déjà Rose à gauche, jaune à droite. Excusez-nous, hein. Il y a... Sur le stream, c'est bien mis. D'accord. Ben. Sinon, n'hésite pas à relancer si c'est en début de game. Si c'est en début de game, n'hésite pas à relancer. Voilà. Je parle à... Il ne comprendrait pas. Les Socutes sont censés être en jaune. Ready for battle. Bah, n'hésite pas à relancer alors parce que... On relance? Ok. C'est toi qui as créé la partie. Ouais, mais je peux pas inverser les noms des équipes. Il y a que toi qui peux le faire. Inverser les. Oui, mais si on inverse les joueurs, ils auront le mauvais nom d'équipe. Oui, c'est ça, donc faut modifier en même temps le nom. Voilà, donc du coup, je vais te donner le lead et tu vas me faire ça. Voilà, excusez-nous, hein, vraiment, c'est. Donc, alors, j'espère pour la défense sur Hollywood voir un petit peu plus de compositions statiques comme je les aime, parce que ces compositions à base de double main tank, double shield, on n'en trouve pas beaucoup, alors qu'on vient de perdre deux tanks. Non, non, Ah non, non. c'est bon. C'est Ils qu'ils ont été sont en train déplacés, très bien. d'être Ils déplacés. sont en train de switch, très bien. Voilà, on s'excuse hein, encore pour ces petits soucis de. Ces petits soucis, je fais que m'excuser,
Mais c'est compréhensible, hein. Faut que ça soit visionnable par vous, faut que le cast ait un sens. C'est l'objectif derrière. Si on vous fait regarder quelque chose mais que vous ne comprenez rien, on n'en voit pas trop l'intérêt. Donc voilà. Si on peut revenir au match, donc du coup, tu parlais de Double Shield, effectivement. Pour le moment, on a plus vu soit de la Zarya ou de la D.Va du côté du off-tank. Exact. On a, c'est après les compositions qui marchent le mieux en ce moment, surtout avec, sans le hero ban en fait, justement. Eh ben Est-ce que d'ailleurs tu peux nous rappeler un petit peu le programme des playoffs de cette semaine? programme des playoffs de cette semaine, il y a trois matchs avec celui-là. Je compte celui-là avec parce que il y a une équipe, on passera le cas, qui a été disqualifiée des playoffs, donc il y a un match qui saute. Normalement, il y en avait quatre, là on en a trois. Les deux prochains sont vendredi à 20h et à 21h. Ça sera donc Reactor, non, Re si, Reactor Squad contre. Excusez-moi, je sais plus là. Reactor Squad qui seront contre Hypra Esports, il me semble, et Orisys Savage qui seront contre Eos Exiles. Voilà. Alors, si je me trompe pas, Non, c'est bon. oui, si je me trompe pas, pardon, excusez-moi, pendant les phases de poule, Reactor Squad était tombé sur leur dernier match contre la AOXD, et ça s'était mal passé justement pour la AOXD, qui ont littéralement succombé J'ai envie de face dire, les à AOXD l'équipe de sont bien Reactor les Squad. sont toutes les poules quand Les même. AOXD se sont bien défendus, mais la Reactor Squad a dû Est-ce était, que. avait un peu plus de niveau, je Question vite pense. fait au niveau de la prod, est-ce qu'on est bon sur les couleurs? Ok, bah oui, on est bon, attends, on va le voir après. Oui, c'est... Ah, excuse-moi, excuse-moi. C'est. J'active mes voice mods sans faire exprès. Ok, tu peux checker au niveau des joueurs, même si là on va pas relancer, je pense. Tout? Ah non, mais parce que. Parce que au niveau de. Moi au niveau des. Ah, j'ai pas inversé le psy. Excuse-moi, attends, on a changé Pour les moi, trucs. c'est bon, j'ai bien les survivors en violet, et puis les... Ince, c'est pas chez les Survivors, t'as pas inversé les équipes. Ah oui, pardon, ouais. Ok, Pour moi, bah. de mon côté, c'est tout bon. Donc, du moment que pour toi c'est bon, que pour le cast c'est bon, on est nickel. Moi je me vois pas forcément bien, mais c'est pas le problème, j'arriverai à cast. Y a pas de souci, on commence directement. On n'a pas parlé de composition, on a effectivement une double shield du côté des Survivors. Oui, je vais avoir du problème avec les couleurs. Voilà, Une ils Bastion, partent j'avais pas sur... vu. Oui, ils partent sur un bastion avec un petit boost de la Mercy. Une Symmetra qui permettra de TP en arrière pour faire back le bastion. Ouais, on dirait que moi Zarya hein, Ouais, qui s'est aventuré un peu trop la loin. Zarya, la patate qui fond sous les balles du bastion. Ouais, tout à fait. Hein. Ça c'est le genre de composition où il faut développer une stratégie. C'est facilement parable, mais que si on utilise un peu son cerveau et qu'on se met à travailler sur des petites strats pour aller counter le bastion. C'est-à-dire qu'un bastion est très simple hein, vraiment à aller counter, mais faut avoir la strat. Effectivement, ce qui est très ingénieux là, c'est vraiment le TP quoi. Ouais, la résurrection qui est faite sur la Ana du côté de Storyverse. Et tout à fait. On a les Survivors qui sont finalement là sur le point hein, qui arrivent bien à jouer sur la place, mais qui ça si ça suffit. Il y a combien de personnes sur le point là? Je n'arrive plus à suivre. Je vois pas tout bien, c'est bon. Ils sont 5 sur le point maintenant, du coup des certitudes. Un enfer. Ah, j'aurais dû laisser les couleurs de base pour moi et laisser les couleurs pour le cast et parler en termes d'équipe. On va faire comme ça pour les prochains matchs. Bah écoute, pour moi l'interface est de la bonne couleur, mais c'est le jeu qui n'est pas de la bonne couleur. C'est-à-dire D'accord. les personnages. Je propose que après pour le cast, on se débrouille pour remettre les couleurs normales et que la prod reste normale. Reste avec les couleurs jaunes et roses. Allez, le dragon qui est lancé. D'accord, on a Va qui est faire 2 lancé. kills sur Prend sa le wave double kill d'Ectarmax. et suivi d'un implacable. On a un peu over. Non, je me suis trompé de côté, on n'a pas overuse. On a utilisé deux ultimates qui étaient tous les deux des DPS, des ultimates de DPS
GPS. On a les Sokyo qui reprennent le payload, qui le font avancer. Et c'était encore un teamfight pas très commenté de notre part. Parce que on se bat un peu avec les couleurs, mais on essaie de faire du spectacle tout de même. Donc on va peut-être avoir beaucoup de spectacles car Soundwave est passé sur, sur une vidéo. Alors peut-être qu'il va mettre des têtes, peut-être pas, mais on espère pour lui qu'il va faire du spectacle. Mais tout à fait, on a une bataille de sniper là derrière. Et Belgo remporté par Soundwave. Soundwave qui met une petite tête avec le Diablo hein, sur le point pendant la SAS fight. On a un homme qui est lancé. Une Widow qui, par le fait qu'elle a gagné son duel, est toujours là et prend deux piques. Elle enchaîne. Ah ouais, carrément, là on s'enjaille. Là on tourne la caméra dans tous les sens. Et bah, c'est mérité là. Hein. Les 2-3 kills qui étaient pas mal, hein, qui ont, j'ai envie de dire, totalement sécurisé le teamfight du côté de Sorivers. Alors, on garde la même composition du côté de Sorivers, justement. Non, de Socute. On a le Shatter et la Graviton de disponible. Peut-être la Graviton ou le Shatter, bien évidemment, pour éviter de trop utiliser pour Engage. Bien évidemment, attention de ne pas se faire contrer par la Diva ou le Reyna. Là, ouais, on a un Shatter qui est lancé directement, qui est raté. On a les deux shields qui sont totalement bloqués. On a un triple kill du côté de Inz avec son implacable et qui récupère encore Rush derrière. Et clairement, on a récupéré toute l'équipe qui s'en va dans un autre monde, dans le paradis, j'ai envie de dire, ou les enfers, à vous de voir. Alors, ce serait sympa d'enchaîner quand j'ai fini de parler. Oui, ne t'en fais pas, j'enchaîne, mais je prends un petit peu mon temps, le temps de réfléchir un petit peu pour éviter de faire un gros malaise comme d'habitude. Du côté des ults, on va voir le dragon du côté des Socutes. Donc on a la Graviton, le dragon et l'implacable. Tandis que du côté des Sorivers, on a seulement l'ulti défensif de Jolan, le mur du son. Et le nano peut-être booster les dégâts de Meg sur son Reinhardt. Tout à fait. On a vraiment, depuis tout à l'heure, on a pendant le teamfight, même pendant toutes les phases, les deux snipers vraiment qui se cherche. On a la grave qui a sauvé par la force par Delta Blast. Bah le petit combo hein, classique. On a un dragon qui est lancé, qui prendra vraiment tous les Sorivers. Oui, les couleurs sont inversées. C'est n'importe quoi, mais c'est bien les Sorivers qui sont fait prendre le payload. Et on arrive à amener le payload au checkpoint pour les Sorivers. Du coup les Socute qui vont rentrer dans les studios de Hollywood. Ce Moev qui se fait récupérer par Belgo Diablo par une très belle tête. Alors on espère pas perdre le team fight du moins du côté des Socute. On a et le payload qui avance. Prêt du côté des Sorivers, on a beaucoup de 6 mètres qui sont prêts. Mais on a l'implacable de Rush aussi, après avoir comment chaque personne va gérer son ultimate, on a directement une bombe qui est lancée, qui récupère 3 kills. Et on a totalement le team fight qui n'aura jamais lieu finalement. Delta Blast qui est un très bon joueur Widow de ce que j'ai entendu. Delta Blast ou Delta Blaze d'ailleurs? Je pense que c'est Delta Blaze, mais bon, Delta Blaze voilà, les yeux, tu peux me dire. Je l'ai normalement. Alors, on a l'implacable qui est lancé directement. Qui prendra un pic sur Soundwave qui a peut-être deflect un peu trop tôt. On récupère tout le monde, hein. On récupère tous les Sorivers, les Socutes s'emparent du payload. Et là, ça commence à être tendu, vraiment, vraiment très tendu parce qu'on approche de la fin de cette map. Donc, du coup, c'est Delta Blaze ou Delta Blaze? Delta Blaze. Ah, oh, d'accord. Delta Blaze. Allez, l'implacable qui est lancé du côté de Inz, qui va faire un kill sur Thunder et qui va se faire récupérer par la patate immédiatement. Ouais, on a pendant cela Rush qui attend sur le côté. Je sais pas trop ce qu'il a fait, il était un peu AFK. On a ce movement qui a été totalement flash, qui balance son ult, qui prendra un kill avec le dash sur Rush qui lui permettra de s'escape et aller faire tout la grave qui est un petit peu de trop je pense. Non, qui a été
qui a été lancé avant qu'on se rende compte que le teamfight était loose. Ouais, je pense qu'il l'a pas fait exprès. Je pense qu'il pensait qu'ils étaient au moins 3 ou 4 sur le point alors qu'ils étaient plus que 2. Ouais, je pense pas que Thunder avec sa Moira il aurait pu faire tous les kills dans la grave avec juste son clic droit. Là, on engage, on y va. Le Macri qui est très très loin de son Reinhardt hein, finalement et qui a 80% de son ultimate. On a. Enfin, c'est celui qui a bientôt son ultimate, hein, celui qui est le plus proche. Même si on a les Moira qui récupèrent sa vie dans son ultimate, on met des têtes, on tue Karmax. On a l'implacable dont je parlais qui est totalement prêt. Prêt à être relancé. Après, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour pouvoir le mettre? Je pense que c'est pas la priorité là de suite. Déjà gagné un peu de kill à blanc. On a signé l'implacable du côté de Hits, hein, je tiens à le rappeler. Thunder qui a essayé de balancer sa connaissance, mais ça ne rimera à rien car on arrive à bloquer le payload du côté des Survivors. Voilà, donc les Sokyos qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au troisième point, jusqu'au bout de cette carte Hollywood, mais qui s'y sont presque allés, ils sont allés jusqu'à 72 mètres. Après, est-ce que les Survivors vont réussir à aller si loin et gagner cette map? C'est à voir. Évidemment, parce que c'est les miens, ce cut. Je suis pas sûr, parce que Survivors, ils se sentent un peu chauds, j'ai l'impression. Ils ont envie de gagner. Ce n'est qu'une impression. La chaleur fait des hallucinations. Évidemment. Eh bien, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. C'est vrai que un petit peu partout. Ouais, tout à fait. Vous devez rester chaud. La cause du réchauffement climatique, et je pense pas que ça soit le sujet. On reste sur notre match. Si, parlons-en, non. Comme pas. Bon, on est en plein casse. Effectivement, respecter la planète, voilà, c'est la seule phrase qu'on placera là-dessus. Voilà, c'est respecter la planète. Ne fumez pas, voilà. Et utilisez des voitures électriques. C'est tout ce que j'ai retenu de sur le réchauffement climatique. On a les compositions hein, qui se dévoilent des deux côtés. On a une May Macri, assez classique, hein, du côté des Survivors, vraiment. Si tu veux un conseil, retire les noms. Voilà, c'est comme ça que tu te repéreras du bon côté, c'est comme ça que je fais, ça marche plutôt bien, il me faut un petit temps de réflexion mais ça passe. On a donc une Symmetra mais sans le bastion cette fois-ci du côté des So Cute qui sont en défense ou en attaque en défense, ils sont en défense les So Cute. Alors, directement, on va se débarrasser des tourelles. Un très bon job du côté de Inns qui élimine directement les tourelles. On décide de faire le tour, une grande rotation tout autour. On attend patiemment du gros coup de laser hein, du côté de la Symmetra. Thunder qui récupère Karmax, Roche, Somewave, Belgo Diablo. On voit le teamfight qui tourne en faveur des So Cute, évidemment. Il y a petit slip et patate qui. Qui t-bug son teammate qui était en train de slip. Allez, on se recoupe. Les tourelles qui sont replacées et à chaque fois faut les éliminer. C'est le souci, c'est que là, regardez la May qui se fait déjà purple. Super journée pour cette May. Alors Roche avec sa May qui va prendre les hauteurs, essayer de caler quelques petites têtes histoire de faire un petit pic sur un Lucio ou à Macri. Le problème c'est qu'en faisant ça il fait oublier qu'il y a les tourelles qui brûlent voilà, toute personne qui passe. Oui, c'est très important ça aussi. Ça fait, et le Shatter qui va mettre à terre 4 personnes et la patate qui va totalement faire fondre l'équipe adverse avec son Shatter et une belle charge qui va faire 2 kills. Est-ce qu'on peut reparler de chaleur? De chaleur. J'ai entendu dire que les Survivors c'était chaud. Oui. De quoi me parle-t-on là? On parle de quoi là? Survivors chaud? Ils sont où là? Alors, les Survivors? ils ont l'air d'avoir envie de manger et mec il se fait slip. Il aurait peut-être dû me faire son cheat histoire d'éviter ça. Les Survivors, on a l'implacable qui est lancé du côté de Inns, mais le shield qui est pas du book. Mais Del Diablo qui fait 2 kills sur les 2 DPS. C'était un peu dangereux d'utiliser l'implacable dès le début du shield. On aurait pu au moins détruire celui-là et attendre le suivant. C'était un peu ambitieux.
Et Inz, du coup, qui repart, qui parle du moins sur une Mei, peut-être pour bloquer l'équipe adverse. Oh, mais c'était bien fait, bien joué du côté de Roche. Alors, il y a un mur devant Samoïd. On a beaucoup de teammates hein, qui sont près du côté des Sokyut. On voit sur les caps des Sokyut que c'est bon, le teamfight est déjà gagné pour eux, ils s'ennuient un peu. Voilà, donc on voit que les Sokyut sont un petit peu l'avantage. Voilà, donc c'est la magnifique composition. Voilà, on décide de claquer directement le glaçon qui n'a pas été stoppé. On a du 1 pour 1 et puis finalement les Sokyut qui enchaînent les kills du côté de Roche. Hein. C'est Roche qui avec ses gros glaçons là fait fondre là, des petites têtes sur la Diva. On tue le Doomfist. Il a eu sa part dans absolument tous les kills. Très beau play hein, de Roche. Voilà, et la cloche qui retentit encore pour le très très précis hein, ces glaçons. J'aimerais bien il reste plus que 30 secondes du coup pour les Sorivers pour capturer ce point et espérer du coup aller jusqu'au bout afin de gagner cette on carte. On a enfermé l'off tank et le DPS, mais ça servira pas à grand chose à tout de suite à part temporiser un peu sur les 18 secondes qu'il leur reste pour assurer que ce soit vraiment le dernier teamfight. Un shatter qui a été lancé que j'ai pas du tout là c'est totalement con, on a utilisé un ult de Somwave, on a donc toujours ce truc de Symmetra, on a vraiment ce shoot qui mange ce teamfight sur le team. Voilà, donc du coup Delta Blaze qui essaye de contester un maximum pour que son équipe revienne. Donc Meg avec son Amand qui va faire des dégâts colossaux, Roche qui a encore un Blizzard. Le Blizzard là c'est fini, c'est fini. On n'aura pas le jeu. Je pense qu'ils n'auront pas le point, je sens que voilà, c'est Samwave s'est fait récupérer. Le Armand quand même qui met des gars et Beg Gadiro qui fait des gros squats sur le payload hein. Elles font extrêmement mal, elles étaient très très bien placées, hein. On les a oubliés dans la panique de l'overtime et voilà ça. Et Sokyu du coup qui gagne cette carte d'Hollywood, ça fait 2-0 pour eux. Tout à fait. On va regarder ce petit play of the game. Je vais remettre mes couleurs en attendant pour arrêter de me perdre. Si c'est encore vivable du côté de l'approche, je propose qu'on démarre à chaque fois la partie en fonction de ça. En fait, ça inverse leur position de soit à droite, soit à gauche. Le tout, c'est qu'il y a toujours au moins, s'il y a des soucis, qu'il y ait au moins le nom. De l'équipe au bon endroit si on avance des choses. Voilà, appliqué. Nickel. Ah, c'était bon. J'ai remis mes couleurs. Merde. Ok, pardon pour l'énervement gratuit. Je préviens les joueurs qu'on part en plateau d'analyse et on va donner tout de suite la parole à notre cher analyste caster un de nos le plus vieux caster, j'ai envie de dire. Là je lui mets la pression. Notre très très vieux qui est plus capable de marcher tellement qu'il est vieux dans ce tournoi, Matricide, je te laisse la parole. Merci mon petit Bounty, merci. Eh ben du coup pour commencer on peut du coup clairement parler de la domination des Sokyut sur cette partie. Hein. Deux maps de mise sur Busan, tandis qu'on arrive à full hold sur Hollywood, alors que on n'avait pas réussi à mener le payload à son terme. Donc en soi, même s'il y a quelques erreurs du côté de Sokyut, on voit vraiment plusieurs tâches du côté des Survivors qui font vraiment mal. Même si on joue méta, par exemple, j'ai souvent remarqué que Jolan était en dehors un peu de ses positionnings, dans le sens où là où on restait, les deux équipes restaient toujours très paquées, mais Jolan des fois se retrouvait totalement isolé de son équipe, c'est-à-dire par exemple sur la base mecha, alors que toute son équipe était passée et allait se jeter sur le point, Jolan lui s'était retrouvé isolé. Il n'avait pas pu avancer du côté des. Vers les escaliers. Ce qui fait que ça a retardé le teamfight, ça a mis son équipe en difficulté, et même s'il n'est pas mort sur le coup, il ne s'est pas fait instant de punir,
bah, ça les a quand même bien mis en difficulté pour la suite. Et alors que du côté du coup des Sokyute, on a un Roche qui est bah, qui déchire. Hein. La preuve, ça a été, il a été considéré comme le meilleur joueur durant la map de Busan. C'est les impla J'ai rarement vu des implacables se charger aussi. Et bah, même Belgo Diablo ou encore, il me semble qu'il y avait un autre DPS à côté. Il me semble. Il faudrait me confirmer ça, mais il me semble qu'on avait un autre DPS sur la map de Busan, mais les deux étaient extrêmement solides et faisaient énormément de dégâts. Sur la map de Sanctuaire, ils ont été les premiers à charger leurs ultis. Roche avait son implacable dès la fin, tandis que la Tracer des Sokyute était à 80%. Ils ont repris à deux seulement le point, alors que ça semblait perdu pour leur équipe. Donc en soi, non seulement des DPS très stable, mais même excellent. Mais on a aussi bah, un Delta, pardon, pas un Delta Blaze, un Nerf Knight qui protège bien son équipe, qui arrive à suivre, qui arrive quand même mieux à gérer l'économie de son shield que Mig en face. Et le seul point un peu négatif est du côté de la patate qui bah, il s'est fait manger une grave et il a balancé un moment une graviton vers la toute fin du. De Hollywood, ce qui fait que bah finalement ils ont pas réussi à mener le payload à terme. Mais à part ces quelques erreurs, vraiment ça a été extrêmement stable. Du côté de Survivors, Warglabidou s'est fait totalement dominer sur son Doomfist, il n'a rien pu faire. Il a tenté une Pharah mais s'est fait instantanément punir par Roche. Pour lui, ça a été extrêmement compliqué. Et même si Somewave a réussissait quand même à faire du dégât. Il y avait beaucoup de fois où il se faisait beaucoup trop contrôler. Le Lucio, que ce soit de Karmax ou de Jolan, était très bon, mais on avait beaucoup plus de difficultés sur la Ana. Peu de nades qui étaient assez clutch. Et Mig, qui sur la première partie, du coup, sur Busan, n'était pas vraiment dedans, je trouvais, comparé à Nerf Knight. Même si sur la seconde partie, il s'est très bien repris. La preuve avec l'immense shatter qui nous a sorti à la toute fin pour stopper l'avancée des Sokyute. Petite carotte bien sûr pour Delta Blaze qui a réussi à avaler la grave magistrale mais qui a réussi à nous sortir trois excellentes bombes qui à chaque fois, trois ou quatre excellentes bombes qui faisaient deux et même trois kills à chaque fois. Il n'a pas balancé une seule bombe sans que ça fasse de kill. C'est tout simplement magistral. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Bounty, n'est-ce pas? Bounty? Bounty, Je ne Bounty? m'attendais pas à ce que tu Oui, moi je m'ennuie interviennes là. sur Là, moi j'ai du sur. mal de Ok, cuire, moi, d'accord. monsieur. Tu veux que je vienne sur le plateau d'analyse avec toi? C'est Non. bien, c'est bien. On m'aime pas, Non, on tu m'aime peux pas. dégager, merci. Allez. Allez, viens, mon petit Bounty, Bounty. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans l'action, j'ai pu commenter un peu, mais j'arrive pas à prendre du recul vraiment sur absolument tout sur le match à cause de ces soucis de couleurs. Mais ils ont été remis de base, donc pour moi, ça va être beaucoup plus simple. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un jeu de DPS vraiment, en fait, marrant, qui avait toujours un ordre, c'est-à-dire qu'il y avait un DPS qui cherchait l'autre, et pendant ce temps-là, son autre DPS est allé chercher ce DPS qui était en train de le chercher. Et c'était vraiment un cercle infernal comme ça. C'est comme sur Hollywood, on avait tout le temps des snipers concentrés sur ce qui se passait. Mais en même temps, tu voyais, ils jetaient toujours leur petit coup d'œil parce qu'ils savaient qu'il y avait deux snipers dans le coin. Ça va de soi, mais c'est quand on le voit in-game, c'est assez marrant. T'as l'impression que c'est un jeu en fait entre les DPS. Ouais. On se C'est marrant. cherche, on se trouve parfois. Bon, Oui, on c'est se ça. trouve en général, souvent, on trouve en général mieux l'autre chez les Sokyut que l'inverse. Déjà, Même j'ai si on avait. constaté que du côté des DPS de Sokyute, on a clairement des balles, des glaçons, ce genre de choses qui touchent énormément. Oui. Donc déjà, c'est un gros avantage. Après, on verra avec ces troisième maps, hein, tout ça, de toute manière, comment ça continue. D'ailleurs, faut que j'aille voir le map pool parce que on l'a pas en tête. Ouais. Bah, merci Bounty pour ce plateau d'analyse.
Donc moi, si je devais conclure, c'est vrai. J'ai retrouvé le nom du DPS de chez Storyverse qui avait remplacé Warglabidou. Et c'était mon petit Inz, bien sûr. Inz, un peu l'équivalent de Roche chez les Storyverse. Les implacables des deux côtés faisaient énormément de dégâts. On prenait des mechas par-ci par-là. Des petits Genji qui manquaient de peu leur reflect. En soi, j'ai rarement pris autant de plaisir à avoir des implacables. Et je dis ça en connaissance de cause parce que, en tant que main tank, je souffre quand il y a un implacable en face. On va pas se le cacher, ça c'est horrible. Mais du coup, bien à part ça, franchement, je me dis que ça va être très difficile pour les Survivors de revenir dans cette partie, mais il y a quand même un petit espoir. La preuve, on l'a vu quand même beaucoup d'adaptabilité. Adaptation, adaptitude, adaptabilité au niveau des compositions. On n'a pas hésité à prendre un Bastion Symmetra, tenter quelque chose d'original, même si les Sokuta avaient rush le point et avaient réussi à l'emporter, mais bah voilà quoi. On espère que ça qu'ils vont réussir à se remettre dans la partie à toujours plus nous surprendre, à toujours plus surprendre les So-Cute, et qui sait, bah, peut-être nous offrir une remontada des plus incroyables. Donc sur ce, je pense que je peux les laisser le retour au plateau de cast, le cher caster, parce qu'on va repartir sûrement sur la map de Paris, sur une magnifique 2CP, bien sûr. Et donc, bah, merci à vous. Ah oui, excuse-moi. Et bah, on est de retour. Enfin, moi, j'étais pas parti du coup, puisque je rejoins ce plateau d'analyse car Matrice se sentait très seul. Voilà. Ok. Et bah, on va pouvoir lancer tout ça. On a les ceux qui sont pas prêts. Donc voilà, je te laisse, puisqu'on t'a pas entendu encore son avis en cette à froid sur après ces deux maps, mon cher Inka. Quel est ton analyse sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ben, j'ai pas grand-chose à dire, à part juste que les deux équipes ont tout simplement, même Storyverse, ils peuvent tout simplement gagner les maps, mais SoCute a su prendre les meilleurs picks et surtout avoir une plus grosse vision de jeu, car on voyait souvent après, c'était les healers qui étaient morts en premier du côté de Storyverse, donc on voit que SoCute font les bons picks, contrairement à Storyverse qui font juste à taper dans le tas, j'ai l'impression. C'était un peu méchant, dit comme ça. Mais d'accord. On va pouvoir lancer notre petite game sur Paris. On va pouvoir tester les couleurs aussi. Tiens-nous au courant au niveau de la prod si je dois relancer la partie ou faire quelque chose. On va pouvoir donc lancer Paris qui est une map très détestée de beaucoup de joueurs. Alors j'ai envie de dire, est-ce que ça serait pas une bonne map pour commencer une remontada du côté des Survivors? Alors oui, après c'est Paris, elle est très réputée pour être une map assez compliquée, surtout après bah il n'y a aucune exception, c'est une map plutôt compliquée, j'ai envie de dire, tout comme toutes les 2CP. Donc si Sorivers font un meilleur jeu dessus que les SoCute, ils peuvent faire une remontada. Ouais, j'étais un peu. Les couleurs sont bien. Eh ben, on est Les couleurs sont bien, nickel et très on bien. va pouvoir partir comme ça. Tout à fait. Alors, on a une double. Je sais pas si. Bah, si ils sont en défense, donc ils vont la garder. Du côté de nos amis, les Survivors, on a un double shield, double sniper et double heal. Non, je rigole. On a. Original. Enfin, original, pas. D'accord, note de la prod, la blague n'était pas drôle. D'accord, c'est pas super. Voilà, super. Du côté des So-Cute, on va partir sur un Reinhardt et un Winston. On va partir sur deux main tanks, donc deux shields. Une Symmetra et un Genji. Et en healer, nous aurons un Lucio et une Ana. Donc je pense que Reinhardt, Winston, c'est. Alors après, ce n'est que mon avis, je n'ai jamais vu ça dans les tournois ou dans les scrims. Mais ça pourrait très bien marcher avec le Winston pour sauter dans le tas avec le Genji et peut-être la Symmetra suivant son style de jeu.
Et donc on est parti, le teamfight est lancé. Ce sera TP, hein. Ce sera TP, dive, enfin moitié dive, j'ai envie de dire, une hybride, une composition hybride. On a un petit Winston dessus, le Reinhardt qui faisait que se faire stun. On a déjà deux picks qui sont pris du côté des. Et on arrive très vite à prendre ce point, c'est une attaque éclair. Et derrière, on se fait bully du côté de la Ana des Survivors. Hein, c'est très méchant. Pas d'autre terme. Donc on voit que les Sopcute ont capturé le point assez rapidement puisqu'ils ont 6 minutes de time bank. Dès le premier fight, ils ont réussi à capturer le point avec de ces vitesses, mais hallucinant. Oui. Pour rappel, ce match peut se terminer très vite car comme ça a été demandé, ce n'est pas un BO5, c'est un premier à 3. Donc le premier qui a 3 points, et là on est à 2-0. Donc il suffit que les Sokyut rempartent cette map et c'est fini pour les Survivors. Mais on peut toujours espérer une remontada sur cette map très chiante pour tout le monde. Là, clairement, on fonce sur Belgo, on veut l'éliminer du côté que de la D.Va finalement. On a un ultimate qui est lancé du côté toujours de Belgo. Le boostio qui est lancé, j'ai l'impression, le nano qui a été un petit peu foiré. Dit comme ça, c'est la méchant, mais c'est... Une blade qui a mis beaucoup de pression, mais juste du dégât, je dirais surtout. Ouais, c'est ça, c'est... Dash à droite à gauche, on dirait que son dash est une capacité sans cooldown. C'est assez impressionnant. On a la brigade qui est en très mauvais état, hein, qui revient sur le point. On a vraiment du mal du côté des Survivors. On se bat pour garder un maximum sur la time bank parce que 5 minutes hein, pour le moment pour les Sokyut, c'est. J'ai pas les mots là. C'est. On fait de notre mieux, mais ça va être vraiment super stressé du côté des Survivors qui devait être en train de hurler dans le vocal. Allez sur le point. je pense là ils ont le Winston, le Reaper pour mettre un maximum de dégâts et rester en vie. C'est pire que la pression. Ce qui fait la différence dans ce genre de situation, c'est vraiment de savoir rester calme et build une stratégie parce qu'on a l'avantage du spawn finalement. Il suffit de prendre un pick par pick, c'est très compliqué, mais je pense que les Sokyut là sont très bien partis. Warglavidou qui n'a même pas le temps d'aller sur le point, il va sur le point, il s'est fait mais liquidé littéralement. Il a pris un kill sur Belgo. Oh, la bonne charge sur Meg qui est venu comme ça, puis Nerf Knight qui l'a puni, tout simplement. Ce qui a permis de retarder un petit peu la contestation. Les couleurs du live, non, les couleurs sont bonnes. Et Delta Blaze qui refait 2 kills avec sa bombe. Ouais, là c'est une contestation des enfers un peu. Survivors qui sont toujours sur le point. Hein. Voilà, mais c'est plutôt pas mal pour retarder justement la time bank. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a un avantage de spawn du côté des Survivors, mais que malgré les kills des deux côtés, les Sokyut sont encore sur le point tout autant que les Survivors. Donc on voit du coup voilà les deux derniers. Ah quoi que, il y a encore la contestation qui est faite par le Doomfist et le Reaper. Ah, est-ce que cet ultimate de Warglavidou n'aurait pas dû être lancé? Ça aurait permis de recontester encore quelques secondes. Donc dans tous les cas, le point est capturé. En termes d'équipe, de couleur, concentrez-vous sur soit le nom d'équipe ou soit sur le nom du joueur si vous connaissez un peu les joueurs. Hein. Oui, c'est juste la partie d'en bas qui est inversée. On s'excuse pour ça. Ouais, tout à fait. Donc sinon, niveau de l'overlay et tout, on est bon. Donc ça devrait aller là-dessus. C'est juste la partie en bas à gauche donc qui pose un peu problème actuellement. Donc au niveau des compositions qu'on nous dévoile ici, on a aussi une Symmetra hein, sur... Du côté Survivor sur l'attack. Voilà, on a une Symmetra de chaque côté et il y a un double shield du côté des Sokyut. Alors, c'est avec leur Macri, leur Symmetra et leur double shield, ils ont enfin une compo statique, ce qui est une compo que j'affectionne beaucoup. Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure, à la fin de la. Voilà, c'est ça. Malheureusement, elle n'est pas sortie
on la sort pas beaucoup tout simplement parce que soit les maps ou soit la méta ne la permet pas. Tandis que là, sur Paris, étant donné qu'il n'y a pas de hero ban, c'est pas mal. Tout à fait, et on a que on a une grosse concurrence de l'autre côté, hein, parce que pour rappel, 3 minutes 6 de time bank, même si à la base on était parti sur 5 au début de la contestation, c'est très très long. C'est 3 minutes, ça va être dur à battre, il va falloir vraiment assurer du côté des survivors. On décide de se taper tout de suite à gauche, prendre la hauteur, hein, prendre l'avantage de la hauteur qui est bah, un avantage, ça parle de soi-même. Allez, la Fire Strike, la Fire Strike qui porte bien son nom parce que c'est un gros strike. On a les tourelles, on a oublié les tourelles. Et je pense que la faute là a été de ne pas identifier les tourelles directement en allant sur le point. Et ils sont voulu push trop vite sans faire attention à ces petites tourelles qui ont été un peu oubliées. Peut-être qu'on n'a pas réussi à scout à temps la Symmetra. Un boulot de scout qui a été un peu trop tard. Je sais pas du ce que coup, t'en je viens penses. de remarquer. Alors oui, oui, tout à fait. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est juste que si Socute remporte cette carte, ils ont remporté tout simplement. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Ah, très bien, très bien. D'accord. Et ben on a déjà deux ultimates qui ont été là. Ah non, ils ont switch. D'accord. C'est pour ça. D'accord, donc on a eu des switch, donc on a maintenant on a un gadget du côté de Warglabidou et un Macri du côté de Somewave. Les petites boules qui sont reflect, qui servent finalement de shield, j'ai envie de dire. Parce qu'on a du mal à tenir sur la durée et du côté des survivors, il va falloir prendre une décision, avancer, même si la pression est très très grosse sur leur dos. Le petit pool parfait, on a le shutter qui est lancé. On a un implacable aussi qui est lancé, qui prendra Jolan et voilà, on se bague un peu du côté de la Orisa. Alors des secours pendant cette teamfight, on a quand même perdu 2 DPS, alors il faudrait vite qu'ils reviennent avant que bien évidemment les Sorivers reviennent. Donc voilà le teamfight qui va être lancé du côté des survivors, c'est de capturer ce point. Et le shatter qui a été contré par le mur purple, hein. De Belgadiablo. On a des huge purple qui sont partis des deux côtés, hein, sur les deux main tanks étaient vraiment purple. Voilà, donc, non seulement il y a eu des huge nades, mais non seulement, ce que j'admire, je le répète, mais le mur de Bego Diablo qui a été insane sur ça pour contrer le shatter de Ming, c'était magnifique pour moi. Des jolis réflexes, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Après, peut-être que c'est un coup de chance, il l'a lancé un petit peu pour justement diviser les deux équipes, mais et Ming, pendant ce même temps, a lancé son shatter. Ah mais les couleurs sont inversées, alors on tient à préciser, c'est pas les couleurs des scores finalement, faut juste se fier aux côtés hein, des scores de la map. On repart dans le teamfight hein, directement, le surchargeur qui a été lancé, on a la blade, on répond avec un mur du son, on a deux kills hein, avec la blade, on a la Firestrike qui prendra deux personnes ainsi que la charge, et ce teamfight qui tourne encore et toujours à l'avantage des Socute. Et Roche qui utilise son ulti pour humilier un petit peu son adversaire. Aïe aïe aïe, là on est vraiment. On est vraiment dans les dernières secondes, on est en overtime alors qu'on a 3 minutes de time bang du côté des so cute, ça va être très très compliqué. Même s'il capture celui-là, le point d'après va être quasi impossible. Va falloir montrer du coup. Voilà, Mitch qui a venu sur ce match. Oh oh oh, le boop! Et le Reinhardt qui est dans le boop sur un Barito. En shield bash, en plus. Attends. C'est du 1 pour 1, c'est du 1 pour 2 pour l'instant, c'est du 1 pour 3. Roche qui fait. Roche qui a pris 4 kills. Roche qui a pris 5 kills. 5 kills. Il fait contre l'équipe et qui offre la victoire à son équipe. Les SoCute, ouais. Du coup, qui iront en cette deuxième phase des playoffs. Il l'a pas offerte là, il l'a pris. Il se l'est approprié en fait, la victoire. Il s'est dit comment ça faut jouer. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de jouer, je tire partout. Voir nous, Overtime, c'est quoi de l'overtime, pardon? C'est. Pardon, over quoi?
Pardon, j'ai pas trop compris là. Ok, et ben j'annonce officiellement la victoire de Socute sur ses quarts de finale. Et voilà, donc Socute qui retour, ça fait toujours mal hein, de voir des équipes partir du tournoi, mais petite élimination du coup de Survivor. En tout cas, félicitations à eux déjà d'être venus jusqu'ici. Et surtout, bah, merci à eux surtout d'avoir participé. Après, c'est un peu le principe, ouais, bah, le plus important d'avoir participé. En plus, c'était, j'allais dire, c'était leur revanche. Non, c'était une tentative de revanche sur le petit souci de technique qu'on avait eu la dernière fois. Hein, on fait des gros bisous à Mamadou qui a relancé la game la dernière fois. Et même avec ça, vous avez réussi à vous qualifier en playoff. C'est que vous aviez clairement les compétences et que vous êtes bien défendu tout au long de ce tournoi. Et on vous félicite d'ailleurs. Et si ça ne vous dérange pas, on va tout de suite passer au côté plateau d'analyse et interview et tout ce qui va avec. MVP évidemment aussi. Je t'invite donc à aller rejoindre Matricide dans les messages privés de Discord à Rinka pour débattre d'AMVP. Moi, je débrieferai juste la game, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Voilà, on peut passer d'accord. Au plateau d'analyse. Je fais entrer Matricide et à un prochain cas, j'espère, Rinka. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Je suis Bob Lennon et je rigole. Mais... Bah, écoutez, bah merci déjà pour le cast, mes chers amis. Mais et ensuite, bah pour parler de cette map de Paris, ça a été un peu à l'image de tout ce match finalement, parce que bah l'attaque des Socute a été extraordinaire sur le point. Oui, extraordinaire sur le point. Mais on a quand même eu 3 minutes de contest avec les Survivors, qui auraient pu aller un peu plus loin si du coup on avait pas forcer Warglabidou à utiliser son ulti sur Doomfist. Et même on a failli clutch parce que bah la bombe de Delta Blaze était encore présente, fait le double kill, on avait 3 kills du côté des Survivors et ça s'est joué à peu de choses qu'on repousse les Socute au spawn pour à nouveau repartir. Manque de bol, bah c'est toujours un peu ce souci, surtout pour l'attaque. On s'est fait contest, on a eu des erreurs de positioning encore une fois. La preuve en fait sur le premier rush où il y avait les deux Symmetra, on prend la hauteur directement chez les Survivors, on est pourtant en position d'avantage, mais en fait on se fait immédiatement pique la Moira et on décide quand même de go in, on décide de drop de la hauteur sans poncer le shield, sans mettre du 2 dégâts, sans forcer l'utilisation de compétences. Et en fait, bah, on se fait en vrai en deux. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a double shield en face, parce que on a aussi une Symmetra avec ses tourelles qu'on focus pas. C'est malheureux à dire, mais bah, ça suffit à faire le taf. Hein. Et du coup, bah, encore une fois, on peut qu'applaudir les DPS. Roche qui nous fait un clutch à 5 kills, bien sûr aidé de son équipe, hein, mais un clutch, sachant que juste avant, il avait teabag Mig en utilisant son implacable. En général, quand ça se passe comme ça, t'as juste envie de dire un truc, c'est le karma va te tomber dessus et il va te mettre la fessée de ta vie. Alors que là, non. Roche en roue libre, 5 kills, le clutch total. Où est la justice, s'il vous plaît, messieurs? Où est la justice, finalement? J'ai entendu mon tu as entendu ton nom de où est la justice. Où est la justice qu'un Roche qui teabag Mig avec son implacable fait un 5K pour clutch la game? Où est la justice alors qu'on devrait avoir du karma? Oui, tout à fait. Hein. Non, mais on voit qu'on s'est relâché et vraiment amusé du côté des Socute. Hein. C'était de l'amusement, j'ai envie de dire. Pendant ce temps-là, je propose que je vais aller chercher la première interview. Et tu peux. Ah, bah bien sûr. Voilà, on va d'abord interviewer, je pense, les Survivors. Je sais pas. Je sais point. Je jamais dans Survivors.
Bah, du coup, pour en terminer un peu avec cette analyse, qu'on pourrait dire, j'aimerais juste revenir un peu sur du coup la. Ce qui est peut-être à l'image de cette game, c'est les Ana des deux côtés. Oula, ben finalement. Donc on a notre petite May. Notre petite May des Sunwaves. Voilà, Sunwave. Sunwave qui est au passage notre meilleur caster 2020. Eh ben, attends, avant qu'on commence cette interview, je tiens à dire, hein, tu nous as remporté ce petit tournoi de caster. En plus de ça, tu y as tenu honneur de ce que j'ai vu gagnant des petits fights de sniper contre qui? Contre Belgo ou Roche? Je sais plus. Un des deux. C'était pas mal. Ok, et eh ben, comment as-tu ressenti toute cette game, tout ça? Le match, effectivement, la Socute est une. Bah, en fait, le truc, c'est que chez Sorivers, bah, ça allait à peu près dans le vocal. Le truc, c'est qu'on a eu en fait, notre 7ème joueur qui disons-le, nous a un petit peu embêté. En fait, qui a voulu jouer certaines maps, il nous a mis au courant le jour J. On a fait, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller, tout ça. Le truc, c'est qu'on avait préparé évidemment en scrim en amont les maps avec notre DPS du coup. Et en fait, le truc, c'est genre qu'on a tout, on a du tout déréglé, du coup, on a dû chacun choisir une map, etc. Et ouais, du coup, en fait, on avait sur certaines maps, par exemple, ça devait être Wargla, Bidou et moi qui devaient jouer par exemple sur Oldiewood. C'était du coup, c'est à ce map que Inz il a joué. En fait, on devait jouer Wargla et moi, surtout qu'on s'était extrêmement entraîné en scrim sur cette composition, sur la composition Symmetrabation. Le truc, c'est genre que là, en fait, on n'avait pas la synergie nécessaire avec le 7ème joueur qui, en fait, est vraiment là en termes de flex et en termes de pouvoir se B. Même s'il est très très bon sur le pick juste, et qu'en fait, on n'avait pas cette synergie-là qui nous manquait, quoi. Mais en général, pendant la game, c'était assez bien, on s'est défendu un maximum. Et voilà, tout simplement. D'accord. Je te laisse la parole, Matricide. Ouais, du coup, tu nous as bien raconté un peu ton ressenti avec l'équipe. Hein. Je pense, sans trop vouloir m'avancer, que la personne, le 7ème joueur en question, c'était Inz, non? Oui. Ah, oui. Il me semblait. On en avait déjà entendu parler. Du fameux de ce fameux McCree qu'on apprécie tant. Et bah du coup, si je pouvais te poser une question, c'est toi, quel a été ton ressenti personnellement? Est-ce que tu t'es bien senti toi sur tes pics, par exemple sur ta mail, est-ce que tu as senti que tu touchais bien, que tu refroidissais un peu trop un peu les adversaires? En fait, j'ai rien. Enfin, sur mail, déjà de base, c'est un pic déjà que j'aime pas jouer, que entre guillemets on me force à jouer si on veut. Et le truc, c'est genre que en fait, j'ai pas réussi à m'exprimer déjà parce que Roche était très 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 bon sur Macri, il touchait énormément. Du coup, il m'a hard counter, il m'a hard play plusieurs fois. Quand j'essayais de prendre Macri pour essayer ne serait-ce que le counter, je me suis défoncé ne serait-ce qu'en 1v1. Voilà, le truc, c'est que moi j'ai passé trois maps relativement mauvaises, même s'il y avait parfois des bonnes choses, etc. C'était voilà quoi, mais pas ouf non plus quoi. On peut mieux faire. Je vois. Donc je peux en conclure bien que Roche vous a. Ah, il nous a claqué au sol. Là, c'était. C'est voilà. C'était compliqué. Si tu devais dire quel était le meilleur joueur de ton équipe selon toi et quel était le meilleur joueur en face? Du moins, quels étaient les plus notables? Alors, dans mon équipe. Oula. Alors. Est-ce qu'on met si on met l'affection de côté? Oui, l'affection de côté, évidemment. Ah bah, j'ai trop de mal. On parle du match, là. On parle pas de... Oui, mais après, je mettrai... Le truc, c'est qu'on a tous mal joué. Je sais qu'on a quelque chose, en fait, on aurait pu prendre une map, maybe. Et le truc, c'est genre qu'on a tous mal joué. Donc, du coup, je sais pas pour le moment. Parce que je mettrai sûrement Wargla qui a clutch. Plusieurs fois, qui a essayé clutch, qui a réussi plusieurs fois, et du coup voilà. Après en face, Roche a été mais un problème monstrueux pour nous.
on a rien, ouais, on a vraiment rien à faire contre le Macri. Genre, vraiment. Surtout sur la fin, il vous a pris 5 kills comme ça gratuitement. C'était assez impressionnant. Surtout sur, ses, sur sa maille, sur ses glaçons. C'était qui sur la maille? C'était l'autre. C'était pas lui. L'autre. Belgo. Attends, celui qui a joué Symmetra. Belgo Diablo. C'est Belgo. C'est Belgo Diablo. Ouais. Oui, voilà. Et Belgo Diablo qui était sur sa maille, qui touchait très très bien aussi. Mais moi, je pense, dans mon équipe, je mettrais Wargla et je mettrais Roche en... de l'autre côté. Voilà, d'ailleurs, peut-on avoir un petit replay, selon toi, de la réaction de Mig quand Roche l'a quelques petits bugs, on va dire. Qu'il a carrément des dés sur sa gueule. Alors oui, c'est un peu. Voilà, un peu, en gros, ce que c'était. Mais, voilà. Non, le truc, c'est genre... je vais me faire daronner. Mais le truc, c'est genre que, en fait, il a, c'était juste no way, genre... Enfin, il n'y avait pas à faire ça, bref. Mais du coup voilà, enfin, c'était en mode... il s'en bat les couilles, déjà de base. Et genre, il était en mode... il claque son ult. C'était un ult en moins. Bon, il restait 20 secondes. D'accord. Ouais. Focus en match, quoi. Ouais. Vous l'avez bien. Et on n'oubliera pas les 200 MS hein, où il prend 4 piques. Hein. On n'oubliera pas. Hein. Aussi. Ouais, mais ça, c'était un peu abusé dans le chat. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer du côté des Socute. En fait, on va interviewer Belgo Diablo. Parce qu'ils n'ont pas su se décider. On a dû en prendre un. On va prendre Belgo Diablo, du coup, en interview. Merci pour cette interview, Somewave. On va te laisser. De rien. Bon match, quand même, vous avez fait ce que vous pouviez, hein. Faut pas vous en vouloir, faut au contraire prendre ça comme un entraînement, voilà. Et bah bonne soirée à toi, salut. Bonne soirée. Ok, on va décaler Belgo. Il est totalement en sourdine, du coup, s'il s'enlève pas de la sourdine... On va utiliser le saint pouvoir du « je te décale quand je veux ». Bah écoute, il me semble que Stay, c'est le DPS aussi, c'est Rush. Voilà, c'est Rush. Voilà. Donc du coup, bonjour Belgo Diablo. Bonjour à vous. Ah, Mathis, il me laisse donner cette interview, étant donné que je connais très bien Belgo, et c'est mon joueur. Assez fier. Hein. Ouais. Tu m'as déjà laissé, tu m'as à peu près laissé le dernier, c'est toi qui t'occupes. Hein. Je vais juste poser la petite question de base. Bah, quel a été, comment s'est déroulé selon toi ce match, hein? Qu'est-ce que tu en as pensé dans l'intégralité, on va dire? Dans l'intégralité, vu qu'on a gagné, je suis assez content. Il y a eu beaucoup de calls, il y a quasiment eu aucun call inutile, ça c'était génial. On avait une très très bonne réactivité grâce à. Nos tanks, hein. Vraiment, c'était, ils faisaient des calls magiques, le TP, la rotate, c'était instantané, tout le monde suivait, c'était nickel, les heals qui suivaient beaucoup surtout. Et puis Roche, évidemment. Hein. Roche, oui, on a vu ça. Ouais. J'ai envie de dire qu'il finit les picks de Moira et Symmetra, mais après, je dirais pas beaucoup plus. Bah, ça va partir directement en clip, hein, là. La dernière action, là, les 5 kills, ça va partir en clip. Ouais, non. C'était très beau ce qu'il a fait, c'était nickel. Après, personnellement, je suis assez fier de mon blocage de Shatter avec mon ult. Hein, ça, j'étais assez content. Ah, j'avoue que le Mig, tu mets ton ult, tu mets ton mur à Symmetra, et Mig, il arrive, il fait quoi? Barrière? Qu'est barrière? Je connais pas le barrière, moi. Non, Shatter, en fait. Dedans. Non, en fait, parce que je pense qu'il avait déjà appuyé sur sa touche de Shatter et il avait sauté juste avant. Ouais, ce qui fait que c'est pour ça, je l'ai vu sauter et j'ai activé mon mur instantanément. J'ai eu un god réflexe, on va dire, et c'était assez, assez cool. D'accord, parce que vraiment, moi j'ai plus eu l'impression qu'en fait, tu avais mis ton mur et Mig avait pas eu la bonne réactivité, il avait pas percuté. Non, je pense en fait qu'il avait déjà prévu de shatter ou un truc comme ça, ou alors qu'il a pas, instantanément eu le. Ouais, le God Move. Ouais, j'espère après.
Après, c'est anticipation. J'ai vu qu'il y avait toute ma team, il y avait le Reinhardt tout seul, et on n'avait plus de shield, à mon avis. Donc, je sais pas, vas-y, on pose le voile. Évidemment, donc si on peut passer à la question légendaire hein, qu'on pose finalement à toutes les interviews et qui nous intéresse tous. Si tu devais donner, d'après toi, hein, en mettant de côté les sentiments, le meilleur de ton équipe et le meilleur de l'équipe adverse. Moi, j'aime tout le monde dans mon équipe déjà, donc les sentiments, c'est égalitaire. Mais dans mon équipe, je pourrais dire Roche, parce qu'il fait le taf. Hein. Mais franchement, je vais dire Nightmare pour les calls. Vraiment Nightmare, juste pour les calls, parce que les rotates, s'ils ne les callent pas, ils prennent la vitesse et à ce moment-là, on n'a pas les points, on ne peut pas défendre. Mon TP, il ne sert à rien s'il n'y a pas les calls. Et les calls ont vraiment. Nos calls, je pense qu'ils ont fait la game par rapport à ce qu'eux ont pu faire. Je pense qu'on avait une meilleure communication et c'est ce qui nous a permis de gagner. Et en face, leur Doomfist. Je connais pas le nom de leur Doomfist. Waglabidou. Ouais, on l'avait aussi remarqué en entrée de game, c'est le nom qui m'a sauté aux yeux. Je me suis tout de suite dit, lui, on l'a déjà cassé sur son Doomfist. mais en fait, c'est surtout que. Il m'a hard focus sur le deuxième point. Ah oui, c'était assez. Je revenais, je mourrais. Déjà sur Busan, c'était très impressionnant la manière dont. C'était comment encore ? C'était. Il y avait un DPS, en gros. Il y avait le premier DPS qui était en train de focus le premier DPS de la team adverse. Et le deuxième DPS était en train de défendre son premier DPS. Et c'est, en fait, c'était un triangle comme ça. Et ouais, c'était infernal. C'était incroyable. Mais le truc, c'est que le McCree a une flash et il met une tête, et moi je mets un dash, et puis je remets un ghost dash sur leur Genji, et puis il remet une tête, et ça partait très vite là-dessus. Ouais, ouais. C'était je faisais que finir le travail à chaque fois de Roche, hein. C'est lui qui mettait les têtes, c'était insane. C'était cool. Moi j'ai bien aimé les games. Il y a des fois, c'était assez close. Par exemple, on a call la boule ball 10 000 fois, et pourtant on voyait qu'elle ne mourrait pas. Ça, c'était assez chiant. Bien joué à lui, d'ailleurs. Un petit tempo qui a duré quand même bien au moins 1 minute 30, je pense. Avec sa boule. Vous aviez 5 minutes quand vous êtes arrivé sur le point. Vous avez 3 minutes 20 de time bank, je crois. Ouais, donc, voilà. Une grosse time. Ah, mais c'était. Je pense qu'ils avaient un manque de communication en face. Ils y allaient avec un healer en moi, une Moira notamment, si je me rappelle bien, sur le premier push. Ils pensaient pas les shields avant de push. Il y avait mes tourelles derrière, ils sautaient. Alpha HP, leur Ana, elle peut pas faire le taf toute seule. C'était non, il y avait vraiment un manque de communication, je pense, en face. Et c'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu win cette map là parce que c'est une des maps, on l'a beaucoup travaillé, mais c'était hardcore pour nous quand même. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une note qui me spam. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, la Zarya de notes sur Busan. Combiné à la Tracer, c'était assez insane. J'avais juste à mettre un coup de cac et les gens mouraient. C'était. Sa Zarya était incroyable. Note. Arrête de me spam, s'il te plaît. Sa Zarya est incroyable. D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et je pense qu'on va lentement aller lire l'MVP avec Rinka. D'ailleurs, je lui ai dit au revoir à Rinka, mais en fait, non, puisque on doit se concerter sur notre petit MVP. Voilà, donc on va te laisser du coup Belgo. C'est déjà fini ? Ah, c'est pas en 5 ? C'est le premier à 3. Tristesse. Eh ben oui. Allez, bonne soirée à toi. D'ailleurs, il proposait en face de continuer en scrim les dernières maps, après vous en faites ce que vous voulez. Ah oui, bah franchement, je suis d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord dans la scène. Bah voilà. Avec eux, nous on va finir le cast tranquillement. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée. J'allais le décaler, mais il l'a fait tout seul. D'accord. Est-ce que Matricide, est-ce que Rinka a déjà débattu avec toi en privé d'un MVP ou est-ce qu'il faut qu'on en débatte avec lui maintenant? Alors, il n'y a pas vraiment eu de débat, mais on va quand même faire un petit débat pour. D'accord. On va donner tranquillement nos avis. Pas tout de suite une personne précise, on peut en citer plusieurs. On va hyper un maximum, j'ai envie de dire. Alors, déjà, clairement, les Boplay, je suis désolé de le dire de cette manière, ont été mis
du côté des Socute. Sur Rivers, il y a eu des bons joueurs, des beaux plays. Ah, mais il y a eu des bombes. Mais oui, il y a eu les bombes aussi. Mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment de plays qui ont été sur la longueur de toute la partie. En général, on faisait des belles choses, mais pas toujours. Que Socute, à certains joueurs avaient vraiment la capacité de réussir à faire des plays, mais tout au long de la game. C'était assez extraordinaire comme manière de faire. Après, il y a le petit côté provocateur qui nous rappelle aussi qu'ils ont fait pas mal de plays, comme tout ce qui est T-back, tout ce qui est claquer les ultimates, ce genre de choses. Après, dans les personnes qui sont dans ce cute, on a effectivement déjà Roche qui a mis des très belles, tout le temps des choses qui connectent, tout le temps, il y a tout qui connecte. J'espère que je ne me trompe pas, hein, mais c'était sa May, c'était lui qui avait May sur Hollywood, qui connectait vraiment sur tout, absolument tous ses glaçons. Il n'y en a pas un seul qui passe à côté. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir sa précision, s'il peut me l'envoyer en privé, je veux bien savoir. Ensuite, on a Belgo qui a très bien géré, hein, sur sa symétra. On a eu des heals extraordinaires avec des belles nades, des choses vraiment insane partout. Peut-être qu'ils ont un peu de facilité, ils ont plus de confort pour s'épanouir dans leur milieu de jeu, dans leur plan de jeu. On voyait qu'ils pouvaient se permettre, hein, vraiment de bien jouer. Du côté des tanks aussi, on avait forcément, hein, ça va de soi, si l'équipe tient bien en place, c'est aussi grâce aussi au gros boulot de tanking. On a aussi parlé tout à l'heure de Lazaria qui brûlait bien ses adversaires, j'ai envie de dire, qui mettait des bonnes bubbles, même si elles m'ont pas tapé à l'œil, mais ça c'est juste une histoire de point de vue sur la game, de ce que je regardais. Voilà, et sans plus attendre, je vous laisse un peu donner votre avis de votre côté. Et ensuite, on donnera à chacun notre MVP et notre point de vue. Mmh. Bah, du coup, ouais, plutôt ouais. D'accord. Je peux, Rinka, ouais. Comment ? Je finis en beauté, allez. du coup, plutôt d'accord avec ton point de vue, dans le sens où, du côté des Survivors, on nous a proposé Warglabidou, mais ça m'a pas vraiment sauté aux yeux, parce que Wargabedou, c'est quand même le Doomfist qui fait bien mal, mais là il s'était fait tellement hard counter que il m'a pas laissé de souvenirs très vivaces, vraiment. Si je devais élire un MVP du côté des Survivors, ça serait vraiment... Dis-le pas. Merci. Autant pour moi. C'est d'abord la vie. Non mais, du côté des Survivors... C'est pour ça que je suis en train de dire que du côté des Survivors, je vais les éliminer parce que du moins il y en aura un qui restera en lice. Pour moi, s'il y en a un qui restera en lice, c'est du coup c'est la diva, comment il s'appelle ? C'est Delta, ouais. Pour moi, c'est lui qui devrait y rester parce que il mettait sa matrice quand le shield du Rain était assez low, il tentait de prendre le relais, même si il y avait une mauvaise gestion un peu du niveau shield. Je sais pas s'il y avait beaucoup de communication là-dessus. Ces bombes, à chaque fois, elles passaient d'une manière extraordinaire. Peut-être à cause du mauvais positioning des autres, mais en tout cas, c'était toujours idéal. Et même, sa matrice, elle a suffi à faire... Elle a énormément aidé là, en avalant les Fire Strike de Nerf Knight. Ah oui, hein. Le boulot de matrice du côté des ouais. Survivors, par contre, je tiens vraiment à le souligner. Hein. On a vu, c'était sur Busan, une Ana qui pouvait s'enfuir presque indéfiniment. T'as l'impression que le cooldown a été réduit sur la diva, sur sa matrice, juste pour l'occasion. C'est incroyable. Il y a une matrice tout le temps au bon moment. Du coup, ça a été excellent travail. Ça a pas suffi, mais il était quand même présent et extrêmement utile. Et du coup, si je devais passer du côté des Socute, il y en aurait deux en lice. Alors, comme l'a souligné Samwave, déjà, si je dois parler du main tank, je parle de ce que je connais le mieux parce que subjectivité, bien sûr, est évidente.
Mais vraiment, en fait, c'est déjà apparemment, il y avait des calls qui étaient extraordinaires. La preuve, l'équipe était immensément structurée. Il n'y avait pas un joueur en dehors du shield. Tous s'accompagnaient quand il fallait. S'il y avait une personne qui allait flanquer, elle était quand même supportée par toute son équipe quand il le fallait. Et mais mine de rien, bah, Nerf Knight a aussi fait son travail. Le travail qui lui incombait en faisant des shatters monstrueux, en chargeant quand il fallait, en prenant les kills avec son marteau. Voilà quoi. Extraordinaire. Alors, si je devais lire un autre, du coup, alors je pourrais souligner la Anna. Alors, j'ai malheureusement mangé son nom, mais ce serait plus sur la dernière partie sur Paris. Mais mine de rien, avant, je ne l'ai pas tellement. J'ai pas ressenti ce feeling de clutch comme j'ai pu le ressentir avec certaines Anna. Donc, bah, malheureusement, non. Et pour Sunwave, c'est un peu pareil. Toi, tu soulignais les excellents glaçons qu'il mettait. Mais j'ai senti assez peu de wall qui était bien mis. Et comme il l'avait si bien dit, lui se sent assez mal avec ce pick. Donc, même s'il avait une bonne précision dedans, il n'arrivait pas à faire ressortir le plein potentiel de la main. Donc c'est pour ça que si je devais choisir un autre candidat pour ça, ça serait Roche. Parce que bah, du coup, son clutch, le fait qu'il ait mis une pression monumentale, qu'il a été vraiment ressenti comme une menace par l'unanimité des survivors, rien que ça, même si c'était essentiellement permis par toute son équipe qui le protégeait à chaque fois. Nerf Knight qui mettait son shield quand il était en plein implacable, qui avait le speed boost du Lucio pour le faire avancer. Oui, j'arrive plus à articuler, il est 22h30, hein. Moi je veux mon biberon de lait. T'as pas prévu la petite bouteille d'eau? Non, ça c'est biberon de lait chaud. Voilà, bah du coup, ouais, si je devais choisir entre trois personnes pour être le MVP, ce serait du coup Delta chez les Survivors, et du côté des Socultes, ce serait Nerf Knight et Roche, parce que vraiment les trois avaient un play, que ce soit individuellement ou collectivement, qui était vraiment exceptionnel. D'accord, donc bah, je vais te laisser la parole maintenant. Rinka. Sur l'avis de Rinka, du coup, son petit bilan. Alors, oui, du coup, moi, je préfère faire court, simplement. Du côté des Chasseurs Rivers, on a vu quand même de très beaux plays, notamment, du coup, comme vous avez dit, celle de la Diva qui faisait un kill à chaque bombe, minimum. On rappelle, c'est Delta Blaze. Donc, pour moi, de ce côté-là, c'est le seul candidat en lice, du coup, pour le titre de MVP. C'est qui? Delta Blaze. Donc, pour moi, c'est de chez Survivors, c'est le seul qui sera en lice pour moi. Par contre, du côté de chez SoCute, on a vu du coup les deux DPS pour moi qui mettaient une très très bonne pression, surtout Belgo Diablo avec sa Symmetra qui mettait énormément de dégâts, et bien évidemment qui permettait à Roche bien évidemment de finir tout ce qui est healer, DPS et même parfois des tanks. Mais Roche n'a pas fait que finir après les kills de Belgo Diablo. Il a aussi fait des kills lui-même. Il a pris des 1v1 contre Sunwave. Il a pris beaucoup de picks. Donc pour moi, du côté de chez Survivors, il n'y aurait que Delta Blaze. Et du côté de chez SoCute, il y aurait du coup Belgo Diablo, pardon, et Roche. D'accord, et ben, alors si on peut passer maintenant, c'est ce qu'on peut un peu resserrer les choix. Là, on les a déjà serrés un peu. Moi, je vais être précis. Je vais donner mon MVP. Est-ce que j'ai envie de vous laisser commencer? Donnez votre MVP d'après vous. On va faire dans l'ordre inverse cette fois-ci. Rinka, tu vas donner ton MVP, ton coup de cœur. Soit tu vas donner ensuite Matricide, à moins que tu veuilles trancher. Comme... Qui va avoir le marteau de la justice et finalement se faire frapper par tous les viewers au cas où?
Bah écoute, je tiens à dire qu'en fait, avec Rinka, on s'était déjà concerté et mis d'accord. Et même si ça a apporté des choses nouvelles, je pense qu'on va. D'accord, et ben alors si c'est pas le même choix que moi, ça sera 2 contre 1. Ça sera 2 contre 1 si c'est pas le même choix que moi, donc je vais donner le mien. Honnêtement, d'habitude, j'aime pas mettre le MVP aussi vite sur quelqu'un qui. Où c'est visible que à première vue, il fait un beau truc et on se dit tiens c'est lui MVP. J'aime pas mettre comme ça. D'habitude j'aime bien contourner ça, aller voir vraiment dans les détails ce qu'ils ont fait les autres personnes à côté, ce qui vaut le coup, ce qui en termes de gameplay, pas seulement en termes de play, mais là vraiment en termes de play, en termes de mécanique, en termes de manière de jouer. Pour moi, Rush connectait tout le temps. Rush tout ce qu'il faisait connectait et pour que ça connecte faut qu'il ait un bon placement, il peut juste pas toucher et éliminer autant de personnes s'il était mal positionné, donc les positionnements sont bons, la visée est bonne, le pic est, ça prouve un confort sur le pic dans cette game. Pour moi le MVP pour moi serait Rush. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà. Rinka, je te laisse le dire. Eh ben, Pas trop vite. On va aller du coup droit au but. Tout simplement, ce sera le joueur, un joueur de chez SoCute, un des deux. Quelqu'un qui a fait, qui a limite carry sa team. Eh bien, nous partageons du coup ton choix, Bounty, et nous disons MVP Roche. Ah, on est sur la même longueur, et ben voilà. MVP Rush, j'annonce donc élu MVP de ce petit match. Rush, et ben bravo à toi. Et voilà, je pense que, à part si on a quelque chose à ajouter, on peut conclure ce cast sur cette belle élection de MVP qui était en accord entre tous nos casters. Il y a eu personne qui s'est tapé dessus, il y a personne qui va être viré ce soir. C'est bien. Eh bien, rien à ajouter de mon côté, votre honneur. Donc, à moins que Rinka ait quelque chose. Non, rien à rajouter. Parfait, vous n'avez pas de raison de nous virer. Je pense qu'on peut vous laisser conclure ce cast. On me vous voit carrément. D'accord. Votre honneur. Eh bien, merci à tous déjà d'avoir suivi ce premier match de playoff. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que au niveau des couleurs, je sais que c'est un peu insupportable. C'est pas de notre faute. C'était dans le projet depuis qu'on a lancé le tournoi de mettre des couleurs. Donc la problématique des couleurs vient vraiment pas de nous. Elle a aucun raisonnement, aucune logique, donc on peut pas la contrôler. Ça vient entièrement des serveurs bizarres, mais du jeu Overwatch finalement. Donc de ce côté-là, on s'excuse, on vous remercie d'avoir été patient et d'avoir suivi tout ce match jusqu'au bout et d'avoir supporté surtout la voix de Matricide qui est très chiant. Pic gratuit. Ah, je crois qu'il dort. D'accord. Eh ben, merci en tout cas. C'était un plaisir de cast ce magnifique match et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour cast le prochain match. Donc, prochain match, on aura vendredi à 20h. Reactor Squad contre E-Prize Sport, si je me trompe pas, qui ne sera finalement pas cast, car Bad Turtles finalement ne prendra pas le cast. À 20h on aura un cast, mais pas à 21h, ou c'est l'inverse. Je vous invite à regarder dans la formation, de toute manière, c'est indiqué et ça sera marqué de toute manière sur le Twitter. Voilà, le lien se trouve dans le réseau sur le Discord. Voilà. Donc, on va vous laisser là-dessus, sur ce petit 3-0 des SoCute, et je vous souhaite une bonne soirée. Adios amigos, au revoir.